Le dumping et l'importation frauduleuse des différents produits, notamment les ciments gris et autres matériaux de construction, affectent considérablement l'épanouissement des industries locales. Il y a 2 ans, la République démocratique du Congo, par son ministre du Commerce, avait pris un certain nombre de mesures pour lutter contre cette concurrence déloyale. J'avais posé des conditions. La première condition était d'assurer la qualité du produit. Par rapport à la concurrence, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. La qualité de nos produits est meilleure. La deuxième condition, c'est d'assurer une offre régulière, sans discontinuité. C'est là où je ne suis pas satisfait à 100%, on peut dire à 80%. La troisième condition était d'assurer la pénétration du marché intérieur. Il faut aller dans les profondeurs du Congo, là où les besoins de ces produits se font de plus en plus pressants. Entourée de 9 voisins, la RDC, avec ses 85 millions d'habitants, représente un marché important dans la sous-région. Son poids démographique et géostratégique sont des atouts pour les industries des pays voisins qui vendent à bas prix de nombreux produits, affectant ainsi la production locale. Stabiliser les prix et l'adapter aux standards régionaux pour les produits locaux reste de ces faits des défis de premier ordre. La théorie des économies d'échelle montre que plus on a affaire à un marché plus vaste, mieux les prix de vente s'améliorent. Et donc j'ai exigé que la moyenne des prix puisse s'étendre, les prix pratiqués au Congo de ces produits protégés ou de ces industriels protégés puissent tendre vers la moyenne des prix pratiqués en Afrique centrale par des concurrents. Dans cette lutte engagée contre la concurrence déloyale, les autorités congolaises accordent toutefois une marge aux produits dont la production suffisante n'est pas garantie par les industries locales. À cet effet, le ministre du Commerce, qui doit prévenir toute forme de pénurie, applique la politique des quotas permettant l'importation limitée.